Salut à toutes et à tous, c'est Psychotique et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée en live sur mon PC. Enfin, c'est une vidéo tout simple, c'est pratiquement ma première vidéo. Je vais vous apprendre à mettre à jour vos drivers, donc vos pilotes, cartes graphiques, etc. Donc bon, on va commencer. Vous ouvrez une page marquée directement dans la barre ici. Tunedriver.com entrée et 0.9, et sinon vous faites tunedriver. Enfin, après vous aurez ça, et de toute façon je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous faites mes drivers ici. Après vous faites lancer la détection. Donc ça vous devrez télécharger un plugin en fonction de votre Windows, soit 32 bits, soit 64 bits. Donc pour savoir, vous faites ici, sinon le plus simple, vous êtes dans ordinateur, clic droit, propriété, vous arrivez ici et vous verrez, attendez, type du système, système d'exploitation. 32 bits ici. Après, quand vous savez, vous faites lancer la détection, vous téléchargez un truc. Après, vous revenez encore et ça va faire ça. Ça charge. Après, moi j'ai tout téléchargé donc je peux pas vous faire un exemple. Mais normalement, par exemple, la carte graphique, toute pourrite carte graphique. Par exemple, il y aura une mise à jour à un lien, on va dire. Vous cliquez dessus, ça vous ramène à une page. Et après, vous descendez et vous faites téléchargement. Et vous cliquez sur le petit disque dur. Donc vous verrez sûrement, à moins d'être aveugle. Mais sinon, c'est assez facile. Donc je vais bien vérifier. Non, j'ai vraiment rien. Donc après, vous installez, vous redémarrez, puis c'est bon. Hein. C'est la fin de ce tuto. Hein. C'était assez simple. Attendez, même pas 2 minutes 46. Bon, enfin, c'était court. Hein. Je vais refaire un petit résumé parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Vous faites tout, enfin vous cliquez dans la description, truc, vous arrivez sur cette page, vous faites mes drivers, lancer la détection en bas, après vous choisissez le truc que vous mettez à jour, donc ce qui serait recommandé ce serait de tout mettre à jour. Et après c'est bon. Après votre PC est mieux. Et puis c'est bon. Moi je vais tout de suite, je vais attaquer un autre tuto pour augmenter les RAM de son ordinateur. Donc je sais pas ce que je fais encore ici. Bref, à la prochaine et plus simple.